Vision libre, une vision libre de la diversité. Bonjour à vous et bienvenue sur ZAM TV. Le monde va devoir s'habituer à un nouvel accessoire avec cette crise sanitaire, le masque. Le port du masque va devenir plus qu'indispensable et nous avons rencontré à XL Sophie Rémy qui a ce projet Un masque pour tous et elle est en train de créer une ASBL qui va se nommer Rius Fabrique. Elle nous explique quelles mesures elle prend pour fabriquer les masques et c'est des personnes comme ça à qui on devrait donner la parole et des personnes comme ça également qu'on devrait soutenir car c'est finalement une activité qui est basée sur une activité citoyenne pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir bénéficier d'une protection. C'est tout à fait un acte solidaire. Tout a commencé mi-mars où j'ai lancé une première initiative avec comme objectif de fournir des masques au personnel soignant et aux structures d'accueil, donc les maisons de repos et autres structures d'accueil. L'initiative s'est soldée avec la distribution de 22 000 masques un petit peu partout en Belgique. Une fois que j'ai eu terminé cette première action, j'ai eu un petit peu de mal à m'arrêter et donc j'ai continué à faire des masques. Et puis, très vite, le besoin s'est fait sentir à XL aussi, qui est ma commune. Et donc, j'ai décidé de lancer Un masque pour tous à XL, qui est donc une page Facebook qui met en relation les citoyens XLois qui ont besoin d'un masque avec les personnes qui savent coudre. Et donc, les gens peuvent faire leurs demandes sur le groupe Facebook et on essaye d'y répondre assez rapidement et de leur donner un masque par personne. Donc ça, c'était un petit peu l'idée du groupe. Assez rapidement, je me suis rendu compte que les couturières commençaient à être un petit peu fatiguées de donner de leur temps, leurs tissus, leurs élastiques, tout de façon vraiment totalement gratuite. Après des centaines et des centaines de masques, c'est vrai que je me disais qu'il était peut-être temps de pouvoir justement aider ces couturiers et ces couturières qui, comme la plupart d'entre nous ont eu des baisses de revenus suite à la crise sanitaire. Et donc j'ai décidé de créer une ASBL avec comme objectif, entre autres, de pouvoir défrayer les couturiers et les couturières tout en gardant la gratuité de la distribution des masques. Voilà, donc l'ASBL se nomme Rius Fabrique. On a pour objectif donc de coudre des masques tout en privilégiant l'utilisation de tissus recyclés parce que c'est dans ma philosophie. J'avais envie déjà avant la crise sanitaire de promouvoir l'upcycling et donc la réutilisation de matériaux. C'est l'objectif de l'ASBL. Nous avons réussi à recevoir un subside de la commune d'XL que je remercie au passage, qui va nous permettre de gratifier, donc de défrayer les couturières. Et on a également lancé un appel à dons auprès des gens qui ont reçu un masque ou pas, qui auraient envie de nous aider pour que la confection de masques puisse continuer et surtout que la distribution reste gratuite. Voilà. Vision libre, une vision libre de la diversité.